Bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui vous présenter le cours de radiopédiatrie ou imagerie en pédiatrie. Vous m'entendez? Oui, madame. Bon, c'est bon. Le cours, vous l'avez. Je vais vous présenter le même. Pas tout à fait le même, mais c'est toujours le même plan, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas tout à fait le même cours, mais il y a toutes les données et peut-être un peu plus, parce qu'il est trop lent et on ne peut pas le faire tel qu'il est. Donc, commencer. Vous avez le plan. Tout le monde le connaît. On a une introduction, des précautions particulières à la radiopédiatrie, les moyens d'exploration qui sont la radiographie standard, c'est-à-dire la radiographie standard qui comprend le thorax, l'AST et le squelette et les articulations. Donc là, c'est les articulations. Nous avons les examens spécialisés qui comprennent les ossifications digestives telles que TOGD, transit du grêle, lavement barité, les ossifications urinaires, IV et ICR. Histographie rétrograde. Les examens ultrasonographiques, tels que l'échographie, l'échodoppler et l'échoendoscopie. Une minute, je reviens. Arrêtez, vous êtes en train de partager votre écran. Pardon, il y a une erreur technique. Donc, les examens ultrasonographiques, tels que l'échographie, l'échodoppler et l'échoendoscopie. L'imagerie nucléaire, c'est la scintigraphie, qui n'est pas toujours réalisée, et notamment en radiopédiatrie. Imagerie en couple, TBM et IRM. Les explorations vasculaires, qui sont rares de nos jours, depuis l'avènement de l'imagerie en coupe. Et vous avez les résultats et la conclusion. Bon, on commence. En introduction, donc, vous avez l'introduction. La radiopédiatrie n'est pas différente de celle des adultes, de la radiologie des adultes, mais seulement en radiopédiatrie, il faut un système donc,
Donc, il faut des artifices techniques et un système donc adapté à l'enfant, à sa taille, donc à son comportement et à sa croissance. Donc, surtout éviter les radiations par des cassettes de petit format, diaphragme, réduire le temps de pose et ouverture des gonades. Les précautions particulières en radiopédiatrie sont prises par des artifices techniques indispensables en raison de la tranche d'âge, des différentes tranches d'âge. Nous avons quatre tranches d'âge. Le nouveau-né, donc de J1 à J28, le nourrisson de 1 mois, c'est-à-dire 1 mois à 24 mois, l'enfant au-delà de 24 mois jusqu'à 5 ans, et le grand enfant au-delà de 5 ans jusqu'à 15 ans, 3 mois. Donc, quatre tranches d'âge en pédiatrie. Selon l'âge, l'enfant peut être coopérant ou non, généralement ils sont peu coopérants. L'apnée est imprévisible, donc intérêt de la contention et intérêt de la sédation. La taille donc, est réduite, petite taille, il faut un matériel adapté à la taille. Protocole technique également adapté à l'enfant. Paramètres adaptés à l'enfant, notamment pour réduire les radiations. Ils sont fragiles, mais l'enfant est fragile, donc intérêt d'une protection du froid, couvrir l'enfant après chaque cliché. Il faut le réhydrater parce que le plus souvent ce sont des enfants déshydratés, et notamment quand on doit injecter des produits de contraste, ils peuvent aggraver la déshydratation. Donc, le réhydrater et couvrir des rayons X. La prise en charge en radiopédiatrie reste toujours difficile parce que différents facteurs interviennent. L'âge, l'anxiété, l'immobilisation prolongée pendant l'examen, la pose éventuelle d'une voie intraveineuse par injection de produits de contraste et à tous ces contextes, donc, s'ajoute la souffrance de l'enfant, due soit à douleur, fièvre ou autre signe associé. Donc, cette difficulté réside dans la prise en charge des enfants de moins de 6 ans. D'ailleurs, une enquête de la SFR a confirmé les difficultés auxquelles se heurtent les praticiens à prendre les enfants de moins de 6 ans, en charge des enfants de moins de 6 ans. Différentes étapes à suivre, donc avant l'examen, le médecin radiologue est tenu de valider la prescription. Il peut substituer, quand c'est possible, un examen non ionisant à un examen ionisant pour éviter l'irradiation. En cas de programmation, donc, des informations doivent être délivrées aux parents et à l'enfant. L'accueil doit se faire dans un environnement agréable pour une bonne réussite des examens. Une enquête éthiologique doit être faite, c'est-à-dire l'anamnèse, sur l'âge gestationnaire. Il s'agit d'un prématuré, post-terme ou terme normal, croissance fœtale, il est hypotrophique ou un point normal, ou obèse. Écho fœtale, donc malformation cardio-pulmonaire ou autre. Souffrance fœtale aiguë, score d'Apgar. Le mode d'accouchement, par césarienne ou normal, en voie basse, si anesthésie ou non. Risque infectieux, donc materno-fœtal, et les conditions
de la naissance et sur les événements survenus depuis la naissance. Les moyens d'exploration, l'objectif, donc définir l'imagerie pédiatrique par rapport à la pathologie pédiatrique et aux techniques d'exploration, présenter son extension au domaine prénatal par l'écho et l'IRM. Donc l'écho et l'IRM sont donc non ionisants, c'est pour cela qu'ils peuvent être réalisés en prénatal, en anténatal si vous voulez, alors que les autres examens sont nocifs parce qu'ils utilisent des rayons X, ne peuvent pas être utilisés. Expliquer donc les particuliers de déroulement de l'examen. Premièrement, les radiographies standards. L'idéal, c'est de disposer d'une table de radiopédiatrie avec tous les artifices, donc tous les accessoires permettant de réussir l'examen. Parce que tous les centres ne sont pas équipés d'une table de radiopédiatrie. Premièrement, le téléthorax, radiographie standard téléthorax, de face en position debout chez l'enfant généralement, de première intention. Il est simple, accessible, quand l'enfant coopère. Quand il ne coopère pas, il devient difficile. Le cliché thoraco-abdominal chez le nouveau-né et le jeune nourrisson, en station debout ou couché, difficile à réaliser en raison du rythme cardiaque et respiratoire accéléré et de l'immobilisation qui ne peut pas être obtenue facilement. Le cliché de profil non systématique, un seul cliché de profil du côté de la lésion, quand il y a l'indication. On couveuse prise de cliché en deux plaques après avoir couvert donc la cassette par un champ stérile pour éviter l'infection. Chez l'enfant en bas âge, il peut être fait coucher en position en décubitus dorsal avec crayon antéro-postérieur. Le grand enfant, chez le grand enfant, possibilité d'utiliser donc une table d'adulte et un rayonnement donc postéro-antérieur comme chez l'adulte. Étape de lecture, vérifier le nom, le prénom, l'âge, la date de réalisation du cliché car parfois changement rapide des images. Marquer le côté droit par un objet radio-opaque. Les critères de bonne qualité doivent être présents. Il doit être bien pénétré, c'est-à-dire visibilité du rachis et des vaisseaux à travers le médiastin. De face, les épineuses équidistantes du bord interne du clavicule. En position debout, visibilité de la pochère gastrique, en inspiration, au fond, 6 à 7 arcs costaux antérieurs se projettent au-dessus du diaphragme. Les omoplates doivent être bien dégagées pour éviter de fausses images pleurales. Et un cliché en expiration peut être indiqué en cas d'asthme ou de syndrome de pénétration. Certaines erreurs et artefacts peuvent modifier donc l'image radiologique. Ils sont nombreux, liés à l'anatomie ou à l'incidence. Il faut s'en méfier. Les clavicules se jettent au-dessus des apex en hyperlordose. Les omoplates sont dégagées dans une opacité linéaire sur la paroi latérale, à ne pas confondre avec une image en banc. Peut donner également une diminution de la transparence des champs pulmonaires. Le débord du manubrium sternal sur un cliché non de face peut donner une opacité latérotrachéale à ne pas confondre avec une adénopathie. L'extrémité supérieure des humérus chez le nourrisson, radiographié bras en suspension,
apparaît un épanchement de gaz, en particulier azote, à la faveur donc d'une perte de contact entre les deux cavités. Le rachis, chez le nouveau-né, la hauteur relative des corps vertébraux ossifiés est égale à celle des espaces intervertébraux. Les pédicules sont réduits au niveau des dernières vertèbres dorsales. À ne pas confondre, cette réduction ne doit pas être confondue avec un processus endocannulaire. Le thymus chez l'enfant doit être pris en considération parce qu'il induit souvent en erreur. Il peut être pris pour une masse du médiastin antérieur. Il peut être volumineux avant 2 ans et diminuer ensuite. Il est de consistance molle, donc sa paroi antérieure est moulée aux côtes. C'est le signe de la vague. La trachée peut être physiologiquement baïonnette, à droite sur un cliché en inspiration. C'est normal. L'index cortico-thoracique, c'est le grand diamètre du cœur sur le grand diamètre thoracique, qui est inférieur ou égal à 0,5, quand il est normal. Si cliché en position couchée, le cœur est étalé et donne une fausse cardiomégalie. 3 espèces d'espace clair sur le thorax de profil. L'espace clair rétrocardiaque, rétrotrachéal et rétrosternal. Ils peuvent être le siège de processus. Vous avez un thymus. À droite, vous avez un thymus avec le signe de la vague, c'est-à-dire les empreintes des côtes qui entraînent donc le signe de la vague. Et à droite, à gauche, vous avez un thymus qui est très développé du côté droit. Vous avez des masses thymiques, d'origine thymique, qui peuvent ressembler à un thymus normal, mais ça c'est un lymphome ou une leucémie. 3 espaces clairs que vous voyez ici, donc un espace sont indiqués par les flèches. Espace rétro-sternal, rétro-trachéal et rétro-cardiaque. Donc, certaines images extra-thoraciques, par exemple chez la fille, les cheveux longs ou tressés, tout en banc, peuvent créer de fausses opacités des apex. Les plus cutanées, très fréquent chez le nouveau-né, le nourrisson et le prématuré, laxité due à la laxité naturelle. Quand ils sont placés contre un plan dur, il se dessine, se plie et quand il est souhaité par l'air, il peut simuler un pneumothorax. Les glandes mammaires chez la fille, c'est plus scientifique que les seins, donc. Les glandes mammaires chez la fille, qui commencent leur développement, donnent de fausses opacités mal limitées des bases, donc à ne pas confondre avec une pneumopathie, surtout quand ce développement est asymétrique. Radio-standard, deuxièmement, AST. L'AST s'est effacé devant l'échographie. Cependant, il garde certaines indications dans la pathologie digestive malformative et la pathologie d'urgence, et dans les examens spécialisés, digestifs ou urinaires. Peut-être réalisé en position debout, surtout dans les occlusions et les perforations, donc à la recherche de niveaux hydroaériques ou de pneumopéritoire, en décubitus dorsal ou en procubitus. Il doit couvrir la totalité de l'abdomen des coupoles diaphragmatiques à la symphyse pubienne. Vous avez un cliché
à droite en position couchée, prenant les coupoles diaphragmatiques, l'assainfice pubien. Et donc, vous avez les lignes des psoas qui sont indiquées par les deux traits. Et là, vous avez le niveau hydroaérique sur un cliché d'ASP pris en position debout. L'analyse va être globale. Il doit rechercher des niveaux hydroaériques, des clartés anormales, niveau péritoine, aérobie ou aéroportée, des opacités anormales, percolite, calcul, corps étranger. Les calcifications ganglionnaires ou tumorales, la répartition des clartés digestives dans l'abdomen, dilatation des segments digestifs ou hypertrophie d'un organe, l'état des lignes des psoas et l'état de l'os. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous n'avez pas de problème? Donc, l'ASP pris en position debout montre des niveaux hydroaériques. À droite, ce sont des niveaux hydroaériques coliques qui sont plus hauts que larges, de topographie beaucoup plus périphérique. Et le cliché à gauche, niveau hydroaérique, grévique, qui sont de petites, qui sont plus larges que haut, et d'autres qui sont de très petite taille. Je ne sais pas s'il y a des problèmes, j'arrive pas à le régler. Donc, on continue. Vous pouvez venir là. Vous avez ici un cliché thoraco-abdominal. S'il vous plaît, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Cliché thoraco-abdominal. À droite en position debout et à gauche en position couchée. Une minute, s'il vous plaît. C'est quoi ça? C'est normal? C'est bien. Merci. Donc, à droite, vous avez un cliché thoraco-abdominal en position debout avec une image de double niveau hydroaérique. Et à gauche, vous avez un cliché thoraco-abdominal en position couchée. Donc, il n'y a pas de niveau hydroaérique. Il s'agit d'une atrésie duodénale
une atrésie du bénin avec un double niveau hydroaérique. Ces deux clichés montrent une atrésie de l'œsophage avec épreuve à la sonde. Sur le premier cliché, l'abdomen est aéré, donc il y a une fistule intérieure. Sur le deuxième cliché, vous avez un abdomen opaque, donc il y a absence de fistule intérieure. Donc le premier correspond au type 3 ou 4 et le deuxième correspond au type 1. Sans fistule. Vous avez un AST ici avec un boudin d'invagination dans une invagination intestinale aiguë. C'est une image donc fistulaire, si vous voulez, plus ou moins peu opaque, donc de forme grossièrement arrondie, pseudo-tumorale. À gauche, vous avez un gros rein gauche avec des métastases pulmonaires en lâcher de ballon. C'est un cancer rénal gauche. Radiographie standard, donc ostéo-articulaire. Cliché de face et de profil du segment 1. Complété par d'autres incisors si besoin. Cliché avec rayon mou pour l'étude des parties molles. La recherche d'un épaississement après œdème. L'échographie est plus performante dans ce domaine. Bilan de traumatisme, soit accident, soit combattu. Bilan de malformation. Bilan de pathologie infectieuse, inflammatoire ou tumorale. Bilan d'extension. Du néoplasie, l'intérêt d'un complément écho et TDM ou IRR. Fracture de la clavicule, fracture des os, l'avant-bras en bois vert. L'examen ostéo-articulaire peut porter sur les articulations, à la recherche d'un élargissement, de la surface articulaire, de l'interligne articulaire, pardon, ou l'élargissement ou un pincement, une irrégularité des surfaces articulaires, un épanchement. L'échographie également est un complément important, un complément de cette méthode. Examen avec opacification, donc ce sont les examens spécialisés avec opacification. Nous avons terminé avec la radiographie standard. Des examens spécialisés avec opacification, les opacifications digestives qui sont de moins en moins pratiquées depuis l'avènement de l'imagerie en coupe et de l'endoscopie avec biopsie. Exploration par voie haute, POGD ou transit du Graves, par voie basse, lavement varifié. Le POGD est réalisé. D'accord.
Excusez-moi une seconde. Oui, il est long le cours. Parce qu'après, quand il est trop long, il prie. Je vais essayer de faire vite, sinon. C'est bon, c'est bon. Merci. Donc, le principe du Graal de méthode par entérographie ou entéroclite. Donc, les indications de l'anémie inexpliquée, diarrhée chronique, stéatorée, maladie infectieuse chronique, polype, le lavement barité et les opacifications urinaires par voie basse, donc réalisées par voie basse après lavement évacuateur, les opacifications urinaires UV et ICR. Vous avez ici des clichés de pacification colique, un bac donc de lavement barité et des segments coliques ou pacifiés, ampoule rectale, sécant et angle colique gauche. Vous avez ici un lavement dans une invagination intestinale aiguë avec un arrêt en cupule à droite et un iléus méconial avec des billes méconiales à gauche. Vous avez une opacification dans un POGD avec une malposition cardio-tuberositaire, béante du cardien, 2 herniataires, 3 reflux gastro-œsophagiens. Je pense que toutes ces images, vous les avez. Je vais passer rapidement parce que le temps va bientôt terminer. Donc, vous avez UV avec les différents clichés. Oui. Néphrographique, fonctionnelle à 3 minutes et morphologique à 10 minutes. Vous avez une dilatation rénale droite et un retard de sécrétion. Un retard de sécrétion et une dilatation à droite. L'UCR de face et de profil, elle est contre-indiquée en cas d'infection urinaire et recherche un reflux vésico-urétéral. L'ultrasonographie se résume en une échographie échodoplaire et échoendoscopique. L'échographie s'est élargie donc à tous les organes, donc tels que le crâne, le cerveau par écho transcutané nerf, par le thorax écho transthoracique, abdominal, abdominopelvien, donc elle s'est élargie donc à toute la pathologie pratiquement. Et il n'y a pas de contre-indication en échographie et pas de d'irradiation. L'échodoppler, c'est l'étude du flux en mouvement, que ce soit pour les axes vasculaires, centraux et que périphériques. Cartographie donc vasculaire à l'échodoppler. Endoscopie, étude de la lumière et des structures avoisinantes. Vous avez ici une échographie anténatale avec une double bulle. C'est une atrésie du duodénal. Vous avez ici deux échographies en coupe transversale, l'image en cocarde ou en cible, et en coupe longitudinale, l'image
en sandwich ou en pseudorin. Vous les avez tous, ces images. Vous avez ici un écho Doppler, un arrêt en bec de flûte. Écho endoscopique avec les différentes couches des parois. Saturation en cytométrie. Irradiation importante, donc l'indication doit être bien réfléchie. La réalisation de multiples coupes axiales successives. Les reconstructions permettent donc de donner l'image dans différents plans. Permet donc de localiser la lésion, de permettre de donner sa densité, ses mensurations et une approche diagnostique précise. Et l'injection de produits de contraste améliore la qualité des images quand il n'y a pas de contre-indication. Il faut une contention et il faut une sédation chez les enfants en bas âge, jusqu'à l'âge de 5 ans. Vous avez une TDM cérébrale, une TDM thoracique, une TDM abdominale. Vous les avez toutes ces images, donc je ne vais pas m'attarder dessus. L'IRM utilise un champ magnétique et des fourrures d'irradiation. La sensibilité est supérieure à la TDM. Réalisation de plusieurs séquences, donc elle est longue, nécessite une sédation ou une anesthésie générale. Certains constructeurs ont mis sur le marché des appareils simulateurs d'IRM ou IRM jeu, où l'enfant est placé pour un essai et se prépare donc à réaliser un examen, à réaliser son examen avec succès. Cela a réduit énormément le nombre d'anesthésies générales. Voilà ce type de IRM jeu avant l'examen. L'enfant est placé pour connaître le déroulement de l'IRM. Voilà l'IRM cérébral avec une antenne cérébrale. Vous avez des images IRM. L'IRM peut être indiqué en montée natale. Avec bonne visibilité des sillons unitéraux. Vous avez ici une hydrocéphalie. Donc, ce qu'il faut retenir, l'indication doit être bien réfléchie chez l'enfant. Les précautions particulières doivent être bien prises en considération. La hiérarchie des examens doit être respectée, sauf s'il y a une particularité. Priorité aux méthodes non nuisantes chez l'enfant à cause de l'irradiation. Bonne connaissance des changements anatomiques dus à la croissance. Réduire le nombre, réduire l'irradiation à minima. Principe d'Alara, c'est-à-dire le plus bas possible, le plus bas raisonnablement possible. C'est un mot anglo-saxon qui veut dire ça. L'abord psychologique du personnel et des parents aide énormément à la réussite de ces examens. Donc, en conclusion, malgré les précautions mises en œuvre, la prise en charge en pédiatrie reste toujours difficile, surtout pour les enfants de moins de 6 ans. L'irradiation reste élevée, risque cancérigène. L'intérêt d'utiliser le couple écho-IRM et thorax-IRM. La réussite de ces examens